Voici la captation vidéo du e-petit-déj de la GUR du lundi 2 juin 2020, consacrée à nos modèles urbains face aux enjeux de sécurité sanitaire. Voilà, donc ce n'est pas la première fois que notre pays doit faire face à une crise sanitaire. C'est vrai que nous avons tendance un peu à l'oublier à l'image des... J'ai tendance à le comparer à l'image des catastrophes naturelles comme les inondations, qu'on a tendance un petit peu à oublier alors qu'elles ont fortement marqué les territoires. Donc les épidémies, les catastrophes naturelles, les catastrophes sanitaires ont marqué durablement nos territoires et nos modes de vie déjà par le passé. Ainsi, santé et urbanisme ont longtemps été liés, comme le montrent les politiques de salubrité publique qui ont été menées au XIXe siècle et qui avaient pour but de lutter contre l'insalubrité, empêcher les épidémies de peste et de choléra de proliférer. Et c'est de cette manière que l'urbanisme hygiéniste, entre autres, a réduit la densité du bâti, a développé les égouts, a aéré le tissu urbain. Or, aujourd'hui, les documents qui parlent de santé publique et ceux qui ont en charge l'aménagement ont bien une origine commune. Ils sont, depuis le milieu du XXe siècle, cloisonnés. L'urbanisme s'étant plutôt orienté vers une logique de planification, alors que la médecine moderne s'est, elle, orientée plutôt vers le tout curatif. Donc, la croissance des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, etc., font que depuis quelques décennies, les spécialistes en santé publique s'accordent sur le fait qu'une nouvelle relation entre médecine environnementale et urbanisme durable est à créer. Finalement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette crise sanitaire que nous traversons ne constitue pas un accélérateur de cette prise de conscience? Parallèlement, est-ce qu'il ne faut pas veiller à ce que cette crise ne nous fasse pas oublier une autre crise, qui est notamment celle de la crise climatique? Donc, notre objectif ce matin est de tenter de comprendre ce qui nous arrive, de voir comment nos modèles urbains, la façon dont nous vivons sur le territoire est réinterrogée par cette crise sanitaire, et d'échanger ensemble sur les pistes d'évolution souhaitées ou souhaitables pour que les territoires, je dirais, ne tentent pas de se protéger en cas de crise ou de catastrophe, mais plutôt soient en capacité de s'adapter, si on est amené à être confronté à nouveau à de telles crises, afin de proposer des modes de vie résilients et durables. Voilà un petit peu l'annonce de la problématique. Je laisse Laurent prendre la suite. Oui, donc voilà le sujet posé. Donc maintenant, on va essayer de vous apporter des premières clés de compréhension qui seront après soumises à la discussion. Donc juste sur la diapositive d'après, en fait, vous pouvez voir, on vous rappelle un peu la matière qui nous a nourris. En fait, il faut savoir que depuis le début des événements, donc à la mi-mars, assez vite au niveau de la GUR, on a essayé de lancer un travail de veille. Parce qu'on a, voilà, on a pressenti que les événements en fait allaient être impactants et allaient impacter notamment nos métiers sur la manière de concevoir les villes et l'aménagement du territoire. Donc il y a eu tout un travail en fait de collecte d'articles parus dans de la presse généraliste, la presse spécialisée. Toute cette matière en fait, on l'a analysée, on l'a débriefée. Donc ça fait plus de 130 références aujourd'hui et encore on n'a pas eu le temps de tout lire. Et ces 130 références, en fait, nous ont permis de dégager, en fait, des grands thèmes qui reviennent. Et c'est sur ces thèmes, en fait, qu'on va vous proposer des éclaircissements, en tout cas, des éléments de compréhension. Vous les voyez affichés, mais en fait, on va rentrer tout de suite dans le détail, thème par thème. Alors, donc, sur le thème du logement, pas mal d'éléments, sont apparus, voilà, dans tous les articles qu'on a pu lire. Le premier point important, en fait, c'est que cette période d'épidémie, mais aussi de confinement, a remis en avant, en fait, la question de la qualité d'usage du logement. Il y a beaucoup de questions là-dessus, et notamment sur les questions de taille de logement, où beaucoup d'articles ont pointé le fait qu'on arrivait peut-être aux limites d'un modèle financier qui nous avait conduit peut-être à construire des logements d'une taille un peu réduite. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qui est dans la citation où certains ont noté qu'en France, en moyenne, la taille des logements est inférieure aux autres pays européens. Donc voilà, on arrive un peu à la limite par rapport à ce qu'on a vécu. Et aussi, donc, pointer l'importance de l'accès vers l'extérieur, C'est marqué mieux. que ce soit l'accès au balcon.
Ensuite, un deuxième point qu'on a pu voir dans les articles, en fait, c'est la question de l'évolution possible du bâti. Toute la période de confinement a amené à interroger sur ce qu'on pourrait améliorer, notamment un des points qu'on a pu lire régulièrement, c'était la question des communs. Dans les résidences, en fait, de se dire il faudrait peut-être désormais plus d'espaces communs entre les résidents. Alors peut-être des espaces de télétravail, puisqu'on l'a vu que bah, le télétravail s'est développé, mais impliquait parfois des surfaces qui n'existaient pas dans les logements. Donc pourquoi pas dans chaque résidence des espaces de télétravail en rez-de-chaussée, des idées de salles de jeu, de toits-terrasses. Bref, cette question de repenser les logements collectifs. Et puis enfin, un troisième point, des questions qu'on entend de plus en plus sur le futur marché immobilier. Alors, il y a des sondages qui ont déjà été réalisés. Certains pointent le fait qu'après cette pandémie, un tiers des Français ont un désir de déménager. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être un mouvement assez important et peut-être aussi que les attentes des futurs acheteurs, en fait, ont évolué, que les critères ne seront pas les mêmes. Donc, voilà les points principaux. Juste après, en fait, on propose un focus et vous allez voir sur chacun des 9 thèmes, on essaye de faire un focus. Sur la question du logement, en fait, c'est la question de la double peine du mal logement. Parce que pareil, on a pu prendre connaissance de pas mal d'articles, pas mal d'études qui ont pointé le fait que les populations les plus défavorisées, qui ont été fortement exposées au virus, en fait, un des facteurs explicatifs, c'était justement le mal logement. Et parmi ceux-là, il y avait la question de la suroccupation des logements. Alors, il y a 8% de la population en moyenne en France qui vit dans un logement qui n'est pas conçu pour le nombre de personnes dans la famille, en fait. Donc, cette question de suroccupation. Et puis, on se rend compte que ces mauvaises conditions de logement ont pu complexifier certaines choses, typiquement l'école à la maison, donc renforcer parfois une inégalité. Et donc, une des illustrations qu'on voulait évoquer avec vous, c'est cette petite affiche très vite qui est apparue sur les réseaux sociaux. On voyait cette affiche rester à la maison, mais certains pointaient le fait que sur cette affiche, certes, c'était bien, mais on voyait une petite maison isolée dans une campagne qu'on pouvait estimer assez agréable, mais que ce n'était pas vraiment la situation d'une partie de la population qui était dans des résidences parfois assez dégradées, avec beaucoup de monde. Et donc, c'était un peu moins facile de rester à la maison quand on est dans un logement, on va dire, de faible qualité. Et donc, sur le deuxième thème, oui, comme je vous le disais, donc c'est celui de la mobilité qui a beaucoup été évoqué. Très vite, pendant la pandémie, on a anticipé les questions des confinements et les questions de mobilité. Parmi les points qu'on a relevés, qu'on a tous vu passer, je pense, dans la presse, ça a été assez vite les craintes vis-à-vis des transports en commun. Le fait que dans les transports en commun, il y a une grosse densité de personnes, et donc cela complexifie les règles sanitaires. Donc ça interroge parce que en fait, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, un des piliers du développement des territoires, du développement durable des territoires, c'est de renforcer les transports en commun. Donc c'est tout l'enjeu en ce moment, en fait, de ne pas abandonner les transports en commun, mais de les adapter à la situation actuelle, avec notamment encourager une moindre fréquentation. En tout cas, sur des mêmes créneaux horaires. Un deuxième point, en fait, ça a été une inquiétude sur le retour en force de la voiture. Parce que c'est vrai qu'en cas de crise sanitaire, on était tous dans notre voiture, on se sentait protégé pour se déplacer, pour aller faire ses courses au drive. Mais voilà, le fait d'avoir cette pseudo-sécurité sanitaire ne gomme pas les problèmes de congestion, les problèmes de pollution, qui eux aussi ont un impact sanitaire. Donc on se rend compte que voilà, la voiture de toute façon ne sera pas une solution miracle et il ne faut pas non plus qu'elle soit encouragée. Le troisième point en fait, c'est que ces événements en fait, nous ont amené à redécouvrir plusieurs choses, redécouvrir des modes de transport et on l'a tous vu, c'est un peu le retour en grâce et la mise en devant de la scène du vélo, parce qu'on a vu tous les avantages du vélo. Ça a posé la question en fait d'un nouveau partage de l'espace public, parce qu'on l'a vu en fait dans une crise comme celle-là, l'espace est une denrée rare. Et donc l'enjeu en fait c'est de le redistribuer. Comment peut-être prendre de l'espace sur certains usages pour le redistribuer à d'autres. Et donc ça a appliqué une souplesse, une adaptation très rapide. Et c'est ce qu'on a vu à travers ce terme d'urbanisme tactique. Le terme n'est pas forcément très parlant pour les non-initiés. En fait, l'urbanisme tactique, c'est plutôt un urbanisme éphémère où très rapidement, on modifie des choses qui parfois
conduisent à des aménagements qui ne seront peut-être pas pérennes, mais qui répondent à une situation donnée. Et enfin, le quatrième point, qui n'est pas nouveau, qui avait déjà été exploré par des experts, mais qui revient là encore sur le devant de la scène, c'est la question de mieux gérer les temps de la ville. C'est-à-dire que pour éviter les concentrations de personnes, on se rend compte qu'on peut, sans avoir besoin de construire quoi que ce soit, mais juste réaménager les temps de vie pour éviter les heures de pointe et éviter donc les risques de surfréquentation. Donc sur cette question de la mobilité, là encore un focus. Et le focus sur la question de la mobilité, c'est celui de la démobilité. Là aussi, ça a été pointé par beaucoup de personnes qui ont rédigé les articles qu'on a pu lire. C'est de se dire que une des solutions, en fait, ce serait peut-être de moins se déplacer. Donc c'est la citation qu'il y a sur la droite de l'écran. Nécessité faisant loi, nous avons découvert que nous pouvions en fait moins nous déplacer. Et c'est vrai que vivre 2 mois confinés nous a montré peut-être que il y a tout un volet de nos déplacements qui était peut-être superflu et qu'on pouvait peut-être vivre en se déplaçant moins. Alors évidemment, c'est toute une question intégrée à nuancer, puisque l'enjeu, ce n'est pas de limiter une liberté, ce n'est pas d'empêcher les gens de se déplacer, c'est peut-être de leur offrir la possibilité de ne pas avoir à subir des déplacements contraints, c'est-à-dire de se déplacer, mais que cela reste un choix et pas une contrainte. Et donc il y a différents leviers, on a vu, il y a le développement du télétravail. Le développement aussi des services de proximité. Plus on a des services en proximité, moins on a besoin de se déplacer loin. Donc voilà, peut-être un nouvel aspect de la mobilité, c'est celui de la démobilité, à penser, pas en opposition, mais en complémentarité, toujours avec le déplacement de modes de transport toujours plus vertueux pour l'environnement. Donc le thème suivant, qui découle directement des 2 premiers, c'est celui des modèles urbains. Parce que très vite, avec le confinement, avec la crise du Covid-19, on a tous vu passer des articles nous disant il faut réinventer la ville et l'urbanisme parce qu'il y a des choses qui clochent. Effectivement, on a vu des limites. Alors, le premier point, c'est qu'on a remis en avant quelque chose qu'on a peut-être oublié, notamment nous en tant que professionnels de l'urbanisme. C'est le lien extrêmement important entre urbanisme et santé, et notamment urbanisme et hygiénisme. C'est vrai qu'on oublie énormément que les villes dans lesquelles on vit, beaucoup de choses ont été pensées au départ. Avec des approches sanitaires. On connaît tous le baron Haussmann à Paris qui a un peu détruit le Paris moyenâgeux pour faire de grandes avenues. Il faut savoir qu'une des préoccupations à l'époque, c'était vraiment une visée hygiéniste, avec de grandes avenues pour faire circuler l'air, pour faire rentrer la lumière, les boulevards herborés, justement pour faire des plantations. Et donc tout ça nous est un peu rappelé avec les événements actuels. Le deuxième point sur nos modèles urbains, en fait, c'est que la période de confinement nous a tous invités à redécouvrir l'ultra local. C'est vrai que dans un monde très connecté où on se déplace énormément, on logeait peut-être dans des endroits, mais sans bien les connaître. Et le fait d'être limité à des déplacements d'un kilomètre carré, en fait, nous a amené à apporter une attention renouvelée à notre quartier de proximité. Donc les habitants se sont réappropriés leur quartier, mais aussi ont pu le regarder avec un regard un peu plus critique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des citoyens déconfinés, mais qui vont peut-être être plus exigeants avec leur quartier et la qualité de leur quartier. Le troisième point directement lié, en fait, c'est la question de la nature en ville, parce qu'on l'a tous vu, une des premières choses faites après le déconfinement, c'est que tout le monde a eu envie de se ruer dans les parcs, dans les forêts, à la plage. Et on voit en fait que c'est un point important, là aussi oublié, c'est que la nature en ville, c'est pas uniquement ornemental. Ça a des intérêts pour l'environnement, pour la qualité de l'air, mais aussi on a vu beaucoup d'études sur la santé psychologique des gens. C'est extrêmement fondamental et donc on peut s'attendre peut-être à ce qu'à l'avenir les citoyens soient encore plus exigeants sur une présence de nature en ville en proximité. Le point suivant qui nous intéresse peut-être directement dans notre territoire, c'est la question justement de ce virus avec la question de la densité de population. On a vu les phénomènes, on a tous entendu les phénomènes d'habitants des très grands centres urbains, des centres, des métropoles, vouloir fuir ces secteurs pour aller passer leur déconfinement dans des endroits moins densément peuplés, en zone rurale. Alors, faut voir que ça, on commence à avoir les chiffres, hein, ça n'a pas non plus été un exode total en France. Néanmoins, on voit que ça a touché beaucoup et essentiellement le cœur de Paris. Et c'est un peu un nouveau regard. Il faut se rappeler qu'il y a un an, on était dans la crise des Gilets jaunes et qu'on parlait de métropole
avec tous les avantages, et de territoires urbains un peu délaissés. Et donc, on avait une fracture territoriale. Bah, aujourd'hui, cette fracture territoriale, on la regarde avec un nouvel œil, parce que c'est ces habitants des grands sottes métropolitains, en fait, bah, qui sont plus complètement satisfaits de où ils vivent et qui portent un regard peut-être plus désirable désormais sur bah, les périphéries où ils envisageraient d'aller vivre. Et donc, on se demande, bah, est-ce qu'à l'avenir, les métropoles, les centres des métropoles vont être vraiment les territoires complètement attractifs, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer pour les territoires ruraux ou pour les villes moyennes bien connectées qui pourraient justement mettre en avant bah, de nouveaux atouts. Et donc, le dernier point, bah, c'est cet enjeu malgré tout de sauver la ville dense, parce qu'on se rend compte que bah, y a des débats et que certains disent que le périurbain pardon, aurait des vertus au final et que ce serait pas mal. Voilà, il ne faut pas oublier aussi tous nos enjeux de défense de la ville durable, de défense de l'environnement. Donc, comment continuer à promouvoir, à défendre une densité urbaine, mais une densité peut-être adoucie et compatible avec les enjeux sanitaires. Et donc, le focus sur ce troisième thème des modèles urbains, eh ben, c'est une idée qu'on vous soumettra à la discussion. C'est que certains proposent, pour adapter l'urbanisme aux événements qu'on vit, bah, de mettre en place des plans de résilience dans toutes les villes et dans tous les territoires, c'est-à-dire se nourrir de l'expérience qu'on vient de vivre pour mettre en place voilà, des process, des méthodes en cas de retour d'événements, donc vous le voyez dans la citation de droite, terrorisme, événements climatiques ou épidémiques, l'anticipation permet une meilleure gestion de la crise, et donc peut-être que voilà, avoir ces plans de résilience face à de tels événements nous permettront d'être mieux armés pour l'avenir. Voilà pour ce troisième thème. Donc, si je me trompe pas, voilà. Je vais passer la parole à Sandrine pour la suite. Comme vous le voyez au travers de la présentation que Laurent a débutée, c'est très très riche, hein. Donc c'est vrai qu'on a été amené à faire des choix. Donc par rapport aux exemples qu'on vous donne, forcément c'est pas forcément exhaustif, mais on a essayé d'être le plus pertinent dans les choix des thèmes qu'on aborde à chaque fois. Alors moi je vais vous évoquer la question du lien social et des modes de vie. Donc c'est vrai que la situation que nous avons vécue a vraiment transformé nos rapports aux autres et à nos modes de vie. Notre rapport au temps s'est vu fortement modifié. Le fait de ne pas sortir de chez nous a un peu obligé à une certaine forme d'introspection qui a pu aller jusqu'à nous faire perdre jusqu'à la notion du temps. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus sur le fait que les gens finalement ne savaient pas quel jour on était et parfois faisaient référence au film Le jour de la marmotte, par exemple. Voilà, avoir l'impression que tous les jours se ressemblent. Mais au-delà de cela, l'être humain n'est vraiment pas fait pour vivre dans l'isolement physique et social. Donc la situation est difficile pour beaucoup. Elle est en plus accentuée par un climat anxiogène qui peut être potentiellement démultiplié par les médias qui sont omniprésents dans nos vies. Ces événements ont mis vraiment l'ensemble de la population française, voire mondiale, dans une situation de stress post-traumatique qui aura peut-être des conséquences à l'avenir sur les choix de vie de chacun. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'articles qui parlent des questions d'anxiété, dépression, stress, etc. Et donc des conséquences qui peuvent avoir derrière. Certains pensent, à l'image de Boris Cyrulnik, que ce que nous avons vécu va nous permettre de mettre l'accent sur le lien social et le rapport aux autres, le bien-être individuel et collectif. Mais finalement, est-ce que cette crise amène pas de façon globale la population à avoir de nouvelles aspirations? Donc, si on regarde un petit peu et qu'on fait un petit peu un focus, certains voient déjà l'émergence de nouvelles solidarités de proximité. Donc, c'est à l'image de l'entraide entre voisins. Les applaudissements de 20 heures en sont aussi un exemple. D'autres, comme Edgar Morin dans le journal Le Monde, pensent que notre mode de vie et nos vrais besoins sont réinterrogés par la situation. Selon une étude menée par la socio-anthropologue Fanny Paris, 42% de la population aspirerait à changer de vie avec la crise. Donc, on voit bien là un vrai désir de changement. Dans l'article du Huffington Post du 18 avril, on peut lire que finalement, cette crise a montré qu'une entreprise peut tout à fait continuer à fonctionner avec ses collaborateurs à distance, qu'il n'est pas nécessaire de faire 10 heures d'avion pour un meeting et qu'on peut vivre sans perdre 2 heures dans les transports en commun. Donc, on peut se demander comment toutes ces aspirations vont avoir ou non un impact concret et pérenne sur nos modes de vie. Le point suivant, donc, qui est celui de l'alimentation.
Alors, c'est vrai que sur ce thème, celui-ci a été vraiment source de fortes inquiétudes, notamment au début du confinement, avec les craintes de pénurie de certains produits. La question de la faiblesse du flux d'approvisionnement agricole a donc relancé la question de la souveraineté alimentaire de notre pays, la capacité du secteur agricole à répondre aux besoins de la population. C'est vrai que la ruée dans les magasins sur les produits non périssables, les pâtes, etc., ont quand même fortement marqué les esprits. Parallèlement donc à cela, la crise sanitaire est également une crise économique et tout ceci a accentué les inégalités et notamment celles d'accès à l'alimentation. Donc les associations ont été complètement débordées entre les étudiants, les précaires, les habitants sans ressources et donc ont dû faire face à une demande extrêmement importante. Parallèlement à ça, on a vu les circuits courts qui se sont pleinement développés, les confinés ayant vraiment plébiscité les producteurs locaux, finalement relativement accessibles et parfois accessibles plus facilement que finalement de se rendre dans un supermarché où on croise plus facilement les gens, etc., avec toutes les craintes d'être en contact avec le virus. Donc finalement, est-ce que cette situation ne va pas nous permettre d'envisager de repenser notre approvisionnement alimentaire de façon plus rationnelle? C'est vraiment la question qui ressort. Donc certains proposent déjà finalement de recréer par exemple des ceintures maraîchères autour des grandes villes, à la périphérie, ou bien de retravailler la question du développement de l'agriculture urbaine qui jusque-là était restée relativement anecdotique. Durant le confinement, certains ont combiné à la fois lutte contre le gaspillage alimentaire et aide aux plus démunis. On a notamment un réseau, le réseau Linky à Paris, qui est un service de livraison d'invendus alimentaires, donc qui a permis d'alimenter les associations qui travaillent auprès des plus démunis. Donc, l'alimentation faisant partie des besoins primaires, il est vraiment apparu durant cette situation difficile que bien manger constituait un peu une valeur refuge. On a l'article de La Voix du Nord sur le réseau Circuit Court qui le mentionne en disant voilà, que c'est vraiment une valeur refuge, c'est quelque chose qui a finalement fait du bien. Et quand on est seul chez soi ou confiné chez soi, finalement, c'était un point qui a pu nous rassurer. Alors, la thématique suivante, modèle économique et impact sur le travail. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Laurent. Oui, donc sur la thématique économique, on a tous vu voilà, que ça n'allait pas être qu'une crise sanitaire. Premier point qu'on a vu dans les articles qu'on a lus, c'est un point qui fait débat vraiment suivant les sources qu'on consultait, mais c'est la question de la responsabilité du modèle économique actuel dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un modèle économique qui serait très prédateur et qui aurait été une des causes de la pandémie en fait. Donc voilà, même s'il y a des débats là-dessus. Le deuxième point, en fait, c'est vraiment le choc économique et la capacité inégale des entreprises à s'adapter. On a pu constater des entreprises qui ont très vite réadapté leur production pour répondre aux besoins actuels parce qu'ils le pouvaient. Et puis d'autres entreprises, d'autres secteurs économiques qui se sont retrouvés vraiment paralysés face à ce qu'on était en train de vivre. Donc voilà, une inégalité dans cette capacité de résilience. Le troisième point, c'est sur la question des rémunérations. Alors, on a vu le débat sur les rémunérations des gens dont on s'est rendu compte qu'ils étaient indispensables et peut-être mal payés. Mais on a aussi et surtout une inquiétude vis-à-vis de ce qu'on va vivre en termes de conséquences avec une augmentation attendue de la précarité. Voilà, les risques liés au chômage, à la pauvreté. Et c'est une réalité, il faut le savoir, il va falloir qu'on y fasse face. Notamment parce que dans nos métiers, il y a aussi la dimension sociale importante. Et donc, on va être vraiment sur un nouveau contexte plus compliqué encore à gérer. Le quatrième point sur la dimension économique, ça a été évoqué, c'est la question de la relocalisation d'activités. On a bien vu à travers ce qu'on a vécu qu'il y a eu des débats, qu'il y a une volonté politique à tous les niveaux peut-être de relocaliser certaines activités stratégiques. Donc, on peut penser à l'alimentaire, comme l'a dit Sandrine, la question des industries médicales, la question de la production énergétique aussi. Donc, peut-être des pistes pour les rebonds des territoires, peut-être en termes d'accompagnement pour développer de nouvelles activités, ces activités peut-être qu'on cherche à relocaliser. Le point suivant sur l'aspect économique, ça a été
La révolution numérique, il a encore franchi une étape de plus. On savait que ces outils étaient indispensables. Bah là, ils se sont relevés vraiment incontournables. Et c'est vraiment ces outils qui ont permis à énormément de secteurs de continuer à fonctionner et qui ont continué à fonctionner grâce à ces outils numériques pendant un bon moment. Donc voilà, on a franchi une étape de plus dans la révolution numérique, notamment à des fins professionnelles. Et puis enfin, le dernier point, quand on parle d'aménagement de l'espace, c'est les espaces à tous les niveaux. Et donc on se rend compte que les événements qu'on vit vont devoir nous amener à aménager les espaces à vocation économique. Alors on pense au commerce et de plus en plus dans pas mal de vies, en ce jour de phase 2 du déconfinement, on voit qu'il y a beaucoup de territoires qui prennent l'initiative de permettre des occupations temporaires de l'espace public pour que des commerces puissent étendre leur activité, donc garantir une sécurité sanitaire à tout le monde tout en préservant un certain niveau d'activité. Ça peut être aussi une adaptation d'espaces plus restreints dans les bâtiments. Et donc on a vu passer énormément d'articles sur la question de l'avenir des open space dans un tel contexte. Donc voilà, on parle d'aménagement d'espace à tous les niveaux et ça nous amène vraiment à réinventer tout ça. Donc sur le focus de cette dimension économique, le point sur lequel on voulait peut-être s'attarder un petit peu plus, c'est la question de la relance verte. Parce que ça aussi, on l'a lu énormément et dans toutes les sources qu'on a pu consulter, c'est que très vite, au moment où on a pris conscience qu'il faudrait un rebond économique, énormément d'acteurs ont dit un rebond économique, certes, mais profitons-en, on va dire, pour aller vraiment sur une économie verte favorable à l'environnement. Alors vous voyez, on a mis pas mal de citations de sources différentes. Plusieurs points à retenir, c'est que déjà, si l'épidémie a touché peut-être plus faiblement ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire les villes plus petites, les zones rurales, par contre, le choc économique, lui, il va toucher très durement ces territoires-là, donc peut-être qu'ils ont eu peu de malades, et par contre, qui vont avoir de grosses conséquences économiques. Et puis après, on voit, donc, on a même des grands patrons de très grands groupes qui ont plaidé pour une relance économique verte. Alors, certains pointent parfois des effets d'aubaine, mais en tout cas, c'est le cas. Et puis voilà, des besoins d'inscription territoriale sur cette relance verte. Une mission sénatoriale très vite qui a pointé l'enjeu de mettre au cœur de ce plan de relance la transition énergétique. Et puis voilà, des propos nuancés sur le monde d'après qu'on rêverait peut-être beaucoup plus vertueux et avec des analystes qui disent qu'il ne faut pas non plus rêver que la société de consommation est encore bien présente et que les fondamentaux ne vont pas forcément changer si vite. Alors, si on s'intéresse maintenant au modèle de société et de gouvernance, on voit bien que ce soit pour le confinement, le déconfinement ou encore aujourd'hui, on a vu les collectivités pleinement investies dans l'aide aux citoyens et aux plus fragiles notamment. Car cette crise nous a interrogés vraiment sur la manière dont on considère certaines populations, les seniors, les jeunes, les personnes en situation de handicap, et le rôle des services publics afin de pallier à l'isolement, de maintenir l'accès à la culture. C'est vraiment apparu comme un rôle très, très important pour la population. Parallèlement, à l'échelle nationale, on a vu le discours scientifique prendre vraiment une nouvelle place. On a pu lire par exemple sur le site de France Culture que le discours politique s'appuie bien sur la science, bien sûr, mais qu'il s'abrite aussi derrière elle. Donc tout un questionnement sur, voilà, aujourd'hui et demain, quelle place prend le discours scientifique. Certains évoquent le souhait de voir émerger un autre monde également, où finalement l'Europe prendrait toute sa place, que ce soit en matière de relocalisation, de production, que pour la définition de biens communs qu'il serait interdit de fragiliser à l'avenir, donc à l'échelle européenne. Si on regarde un petit peu donc dans le détail, c'est vrai qu'on peut s'interroger parce que la notion de bien commun et de territoire apparaissent dans de nombreux articles comme la réponse. Sur le site de Public Sénat, par exemple, on appelle à une nouvelle décentralisation. Le mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie souhaite, lui, voir privilégier les notions d'utilité et de territorialisation. Dans le journal Marianne, on lit qu'une des solutions potentielles à la crise de représentativité que la France a pu connaître déjà depuis un certain temps serait de donner à chacun la possibilité et la responsabilité d'agir à son niveau. Donc voilà, c'est vrai que tous ces éléments-là montrent que la notion de bien commun et de territoire apparaît comme étant potentiellement une solution pour la suite. Donc, l'un des thèmes majeurs qu'on aborde ce matin est celui de la santé.
C'est vrai que la santé, tout comme l'accès à l'alimentation, a été questionné, notamment par rapport à l'accès aux médicaments. Donc, Laurent l'a déjà aussi évoqué sur cette idée, voilà, qui interroge un petit peu la façon dont on est en capacité de répondre aux besoins de la population. C'est vrai qu'on a pu lire que, notamment dans un article de France Culture, que le choc a été rude de se rendre compte que l'accès aux médicaments, qui est vraiment un enjeu stratégique des nations, n'est pas forcément maîtrisé par les pays occidentaux. Au-delà de l'accès aux médicaments, le Covid a également été donc le miroir des inégalités territoriales et sociales. On a bien vu que ce sont les personnes les plus fragiles du fait de leur santé, mais santé parfois fragile par rapport à leur situation sociale, qui sont le plus gravement malades. Donc, on a vraiment eu une imbrication des inégalités sociales et territoriales lors de cet événement et encore aujourd'hui. On voit donc apparaître l'idée que la pandémie aurait révélé l'importance du bien commun et que dans l'article de Slate.fr, la santé n'est pas pensable comme un bien individuel, mais devrait être vue comme un bien collectif, puisque finalement tout le monde paie les conséquences de la maladie, indépendamment du fait d'être contagieux, guéri ou en sécurité. Donc la question derrière, c'est comment agir? Comment les collectivités doivent-elles se saisir des enjeux de santé? Hop. Donc c'est vrai qu'on a vu grâce au Fab Lab, grâce aux imprimantes 3D, grâce aux couturières bénévoles, la mobilisation des collectivités, des associations et des simples citoyens. On a vu des territoires se porter mutuellement secours, à l'image des trains de la solidarité, ou comment finalement la région Aquitaine est venue à la rescousse des hôpitaux franciliens complètement débordés. Donc l'organisation des soins a aussi fortement été impactée. Laurent l'a déjà indiqué par rapport à la numérisation des territoires. Mais finalement, la télémédecine, qui jusque-là était plutôt marginale, connaît aujourd'hui un essor spectaculaire et on peut s'interroger sur du coup les conséquences à plus long terme et comment cela pourrait faciliter l'accès aux soins à l'avenir dans les déserts médicaux. Lors d'une interview de Charlotte Marchandise, donc, qui est présidente du réseau des villes santé OMS sur le site Médiacité, elle indique que pour améliorer la santé et lutter contre les inégalités sociales de santé, il faut agir au niveau local et prendre en compte tout l'environnement des personnes pour être efficace. Donc on voit bien que la question de la santé au sens large et du rôle des collectivités qui n'ont par ailleurs pour la plupart pas de compétences spécifiques en matière de santé apparaît vraiment comme une piste pour agir sur les territoires. Et enfin, le dernier thème, mais pas des moindres, celui de la crise sanitaire et la crise écologique. Donc c'est vrai que nombreux sont ceux qui nous rappellent qu'il ne faudrait pas que cette crise sanitaire nous fasse oublier une autre, à savoir celle de la crise écologique. Donc au début de l'émergence de la maladie, le pangolin, la chauve-souris ont été accusés d'être les grands fautifs de cette épidémie. Sauf qu'on a eu plein d'articles avec de nombreux scientifiques qui nous le disent, ils sont innocents. On a un professeur d'écologie de l'Université de Côte d'Azur notamment qui dit clairement la pandémie est entièrement la faute de l'homme. On peut lire dans différents articles que la crise du coronavirus est une crise écologique en tant que telle et que la destruction de la biodiversité augmente les risques d'épidémie. Selon Serge Morand, qui est donc chercheur au CNRS, il indique que c'est la combinaison de la perte de biodiversité, l'industrialisation, pardon, de l'agriculture et la flambée du transport de marchandises et de personnes qui favorisent l'explosion des épidémies. Donc c'est bien nos activités, la façon dont on transforme notre environnement qui est à l'origine de ces épidémies. La question qui se pose donc, c'est est-ce que la crise du coronavirus est une occasion pour le climat ou le contraire? Et est-ce que répondre à la crise sanitaire, c'est aussi répondre à la crise écologique? Depuis mai, on commence à entendre des demandes des grandes entreprises de supprimer les contraintes environnementales. Voilà, ce qui peut nous interroger. Par contre, d'autres proposent des solutions afin de répondre aux deux, à la fois à la crise climatique et à la crise sanitaire. À l'image, par exemple, de l'architecte new-yorkais Jeffrey Raven, qui nous dit, bah, voilà, mal conçue, la ville dense est un piège, mais bien pensée, elle permet de répondre vraiment aux défis posés, aussi bien par la crise climatique que par la crise sanitaire. Donc, pour beaucoup, il est vraiment important de tirer les leçons de cette crise afin de nous aider à préparer l'après.
J'ai trouvé très intéressant les propos de Corinne Pelluchon, donc qui est philosophe et professeure à l'université Gustave Eiffel, qui nous dit qu'il est nécessaire d'initier une transition écologique qui doit nous pousser à changer nos modes de vie afin de se prémunir de nouvelles épidémies. Donc, les relations entre crise sanitaire et crise écologique sont donc certaines, et toutes les deux interrogent sur nos modes de vie et les choix qui seront faits dans les mois à venir, dans les années à venir, pour nous préparer à lutter contre ces deux crises. Voilà, Laurent, je te... Voilà, donc c'était juste pour clore cette présentation. On a souhaité vous mettre la liste des sources qu'on a utilisées pour vous montrer voilà, que ce qu'on vous a présenté, ce n'était pas des choses qui venaient uniquement de nous. Ça a bien reposé sur une analyse de sources. Donc on a plus de 130 références qu'on a analysées. Vous montrer aussi la diversité des sources. Alors on ne va pas vous rentrer dans le détail. On a des médias généralistes comme Le Monde, on a eu beaucoup de choses de France Télé, France Culture. On a eu Mediapart, La Tribune, Libération, le JDD, Les Échos, 20 Minutes. On a des journaux aussi avec des opinions parfois différentes entre Le Figaro, Mediapart, L'Humanité. On a la presse régionale, pardon. On a travaillé sur des articles de la Voix du Nord, mais aussi la presse régionale du sud de la France. On a aussi travaillé sur des informations issues d'organismes gouvernementaux. Donc notamment le site de la Banque des Territoires ou aussi des études de l'INSEE. On avait aussi des médias liés aux collectivités locales que vous connaissez bien, la Gazette des communes, la Lettre du cadre, des médias spécialisés en vie de ville, forcément Urbis Le Mail, qu'on a regardé avec une attention plus prononcée, Métropolitique, des journaux aussi plus sur la presse spécialisée environnementale, Reporter par exemple, et puis bien d'autres sources. De toute façon, on vous enverra le diaporama, donc vous pourrez regarder tout ça à tête reposée. Peut-être juste, et en slide 37, vous les verrez, remercier tous les collègues, puisque ce n'est pas que Sandrine et moi qui avons capitalisé cette matière, mais beaucoup de collègues se sont mobilisés depuis 2 mois pour nous alimenter. On ne va pas tous les citer, mais merci notamment à Vincent Chariot, à Laure Pacou, Chloé Descamps, Arnaud Fixard, enfin voilà, tous les collègues qui ont permis de constituer ce socle de connaissances extrêmement riches qui nous a permis aujourd'hui de vous présenter cette synthèse.